La Fédération espagnole de soccer se porte à la défense de son président, Luis Rubiales, dans l'affaire de ce fameux baiser forcé sur la joueuse Hermoso après la finale de la Coupe du monde. L'administration dit qu'elle va engager des procédures judiciaires pour défendre la version de son président qu'on voit ici. Hermoso a affirmé s'être sentie vulnérable et victime d'une agression quand elle a été embrassée. La numéro 10 qualifie le geste de Rubiales d'acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement. Hier, le patron de la Fédération espagnole a refusé de démissionner, et ce, malgré que la pression ne cesse de monter. Les coéquipières de Jenny Hermoso se rangent derrière elle et ne joueront plus avec la sélection nationale si la direction actuelle est maintenue.